Bonjour, non pas M. Andy Blanchet, moi c'est spécialiste en santé publique. Jodi à nous venir pour nous faire un petit parler sur ça qui est la santé garçon. Quand vous posez des questions de santé garçon, pour qui ça santé garçon? Qui objectif y a un thème pour ça santé garçon? Parce que garçon, femme, toutes ces mêmes, yo encadrés dans le même tableau? Non. Mais garçon, il y a une attention particulière, les mérités, même gens avec mesdames. Okay? Jodi nous allons parler sur ça santé garçon, qui ça santé garçon, qui importance prévention dans la vie garçon. OK, avant de commencer, m'a invité nous mon yo partager vidéo ça sur Facebook, aller sur channel YouTube nous qui c'est Andy Blanchet, ou abonner à channel là pour ça encourager nous pour nous faire plus vidéo pour vous, plus de travail pour ça nous capable échanger idées ou même commenter ou tout nous capable échanger idées pour nous gagner plus d'informations. J'en ai annoncé c'est que jodi dans la vidéo nous on a parlé de santé garçon. Qui ça santé garçon? Pour qui ça santé garçon? Qui importance prévention dans la vie en garçon? De jour en jour, recherche a prouvé que santé ou bon état santé plus que facteur génétique, facteur biologique, yo influencé ou bien li influencé par choix, habitude avec façon que n'a vivre. OK? Un bon état santé, pas répéter, il y a un bon état santé selon recherche, li prouvé que plus que facteur génétique, facteur biologique, bon état santé ça dépend de prévention, des bons habitudes que nous gagnons dans vie pas nous, habitudes alimentaires, habitudes dans la vie sociale, c'est l'élément qui plus influencé la vie yon moun nan yon société. Ok? Et ça capable de garantir yon vieillissement. Yon vieillissement tout en conservant yon bonne qualité de vie. L'aide yon vieillissement avec yon bonne qualité de vie, c'est yon vieillissement sans douleur. Parce que nous avons l'habitude que, en pile fois, nous, elle est à vieillir, nous toujours pensons que c'est maladie. Parce que vieillissement signifie maladie, qu'on crase, qu'on fait mal. Mais, dans la prévention, qui est où tu es fait pendant mon jeune, pendant mon fonctionner, ou pas un résultat pendant mon vieillir. Alors que prévention est utile en pile pour capable gagner un bel vieillissement et pour capable une belle qualité, une bonne qualité de vie. Bon, et l'autre fois, nous tournons encore pour nous parler avec vous. Malgré toute connaissance que nous connaissons, que prévention joue dans la vie au monde, dans la vie en garçon, en particulier dans les affaires santé, nous remarquons que garçon yo gen yon tendance moins pour yo fréquenter un centre hospitalier. Garçon yo gen moins habitude prendre soin tête sur le plan de la santé. Garçon yo gen moins habitude aller chez le docteur pour faire check-up même si yo pas senti yo gen yon douleur nan kò yo. Étudiant révélé ça. Nous gagnons dans la société pas nous en Haïti et dans l'autre société pas si différent. OK? Quelque en Amérique latine ou en Amérique du Nord, garçon gagne tendance à faire moins visite la caille médecin. Garçon gagne tendance li son super-héros. Garçon gagne tendance li invincible. Alors que nous-mêmes nous connaissons dans le domaine de santé, c'est pas vrai. Et comportement macho ça comportement machiste ça que garçon nous même nous gagne les vinn cause nous mourir plus vite garçon mourir plus bonnet ou capable dans société toujours gagne plus garçon que toujours gagne plus fille que garçon ou capable dans société pas nous gagne pile fille qui veuve mari mourir et cause de ça yo multiple non seulement maladie cardiovasculaire nous connaît qui a tué en pile monde en Haïti maladie infectieuse maladie qui liée avec mauvaises conditions de travail et accident de circulation, c'est ensemble d'éléments capturés, garçons. Et nous connaissons évitable, nous capables d'éviter, nous sommes capables d'éviter mort précoce. Si nous prenons pays comme le Brésil, étudiant révélé que 70% garçons qui allaient à l'hôpital ont été influencés par madame, yo, maman yo, ou bien petite. Yo. Et même étude ça a révélé que moitié de 70% ça a retardé consultation.
OK? Yo retardé ou inventé plusieurs raisons qui fait que yo pas aller kay médecin. Garçon nous toujours dit que l'on aller kay médecin ou ka vinn découvrir une maladie qu'on pas connaît. Bien sûr, ka découvrir une maladie qu'on pas connaît, mais en même temps ka tout éviter que maladie ça vinn ka ça vinn aggraver. Là on prend temps pour aller faire check ça yo, c'est que ou capable vinn déboucher sur un cas qui plus grave puis devant. Toujours dans le même pays Brésil, on a parlé. Il y a une étude qui est réalisée dans la ville de São Paulo, qui est une plus grande ville au Brésil. L'étude révèle que les garçons vivent 7,2 années en moins que les filles. C'est-à-dire que les garçons ont perdu 7 ans dans la vie par rapport à la fille. Ok? Ils ont mouru plus rapide. Comportement qui cause ça, c'est accident de la route, maladie infectieuse, maladie cardiovasculaire. Tabagisme, parce que vous connaissez fumé en pile, qui cause qui vient aggraver Kayo et comportement machiste que nous avons parlé dans le commencement. Côté garçon, c'est super héros, garçon pas tombé, garçon pas malade, si ce qu'on fait la guerre, nous n'avons pas cette expression là, nous en Haïti surtout, qui pour nous qualifier un garçon qui est malade. Donc on tire, nous pas coucher dans la cabane, ça c'est la guerre. C'est ça nous-mêmes, garçon, conception machiste. Construction ça nous gagne dans la société, nous recevons depuis nos petits, nous supposons détruire parce que les causes nous mourir plus que les filles. Bon adoption, habitude, sanité, avec pratique et sport qui contrôlent, c'est un ensemble de mesures que les garçons supposés prendre en ville pour être capable de gagner un bon état de santé. Ministère de la Santé publique, supposé dans le programme santé état, supposé qu'il y a une phase pour santé garçon. Parce que l'on a analysé, bien que nous n'avons pas de chiffre qui est disponible pour nous capables d'appuyer ça dans le Haïti, mais par rapport avec l'autre pays, remarque nous fait étude révélée que les garçons ont mouru plus que les filles. Et nous connaissons une société qui a perdu force de travail aussi jeune, économiquement, elle n'est pas bon pour la société. Ça. L'on prend le nom cadre micro ou pour une famille qui a un père de famille qui perd la ville dans condition ça yo. Aussi jeune qui a deux trois timoun qui quitte avec une maman, nous avons un qui impact négatif li gen sous famille ça, et famille ça qui a vu situation ça li même il pas un impact négatif aussi sur société. Si moun yo vin pa ka l'école, yo vin pa ka manger à faire, yo vin tomber dans ces situations qui yo pas obligé tomber si on ensemble des mesures te gen temps prend pour protéger la vie, force travail pays, nous connaissons qui c'est garçon et femme. C'est peut-être ça. Identification précoce maladie est vraiment important pour nous capables éviter carabine plus grave. Garçon, supposé qu'il y a une routine d'examen, supposé qu'il y a une pratique pour apprendre qu'on école, pour apprendre qu'on est ça qui pas fonctionner dans l'école et qui mesure qu'il supposé prendre pour éviter pour vivre dans un cas qui est plus grave. C'est peut-être ça. Garçon, il y a un ensemble d'examens pour faire. À partir de 15 ans, garçon supposé commencer à apprendre comme quoi. Un exemple qui c'est. Un garçon de 15 ans, il supposé qu'à commencer comme testicule. OK? Il supposé qu'on est s'il sentit une douleur, s'il ouais, un bosse qui monte sur testicule, ça pas supposé normal. Il est supposé aviser les parents parce qu'il est encore mineur. Il est supposé aviser les parents pour mener à l'hôpital pour connaître qui ça a passé dans l'école. Parce que l'étude révèle entre 15 à 29 ans, c'est fourchette d'âge qui a une prévalence, qui a une quantité de cancer, testicule qui est vraiment dominé. C'est-à-dire, entre 15 à 29 ans, son groupe à risque a pile monde, un pile garçon qui développe cancer testicule. C'est la raison pour laquelle, j'aime ce dire là, garçon supposé commencer à prendre comme col. Gion c'est des bagailles. Nous timides, nous gagnons. Nous disons, nous avons des problèmes dans les testicules. En créole, nous disons, nous avons des problèmes dans les graines. Okay? C'est que nous supposons commencer à habituer à ça parce que ça fait partie de la vie. Non? Okay? Toute cette négligence nous fait avec ça, nous avons des problèmes. Nous sommes capables de dire de 40 à 70 ans, yon bilan sanguin chaque 1 an et demi, 2 ans, en fonction de l'état de santé, li important. Là, on s'en peut comprendre, on peut connaître tout ce qui est ensemble pour éviter
ou diabète, taux cholestérol, pour capable connaître ensemble des bagages qui pas en forme dans le système. C'est pour sa prévention avec bon habitude, c'est l'unique moyen nous capable éviter ensemble des maladies nous même garçons. Examen qui c'est moyen préventif yo. Et un bagage important, la caille garçon adulte, c'est quand c'est prostate avec colorectal qui est plus dominé. C'est la raison pour laquelle nous supposons qu'il y a une habitude ça, faire prévention, aller chez le médecin pour nous connaître et ta santé nous. Ce n'est pas les sables gâtés, ce n'est pas les bagailles arrivées dans le niveau nous pas qu'à supporter encore parce que nous sommes super héros, nous sommes hommes forts, nous pas qu'à malades. Nous, c'est ça, l'important, prévention avec bonne habitude pour nous capable éviter une série de maladies qui sont capables d'éviter. Pour éviter la quantité de morts précoces dans la population masculine. Question que pour avant de finir, je vais vous dire même garçon qui a suivi la vidéo, qui dernière fois vous font un bilan sanguin, qui dernière fois vous font une dernière visite à un médecin pour connaître l'état de santé, le taux de sucre, le cholestérol dans le sang. Je vais vous dire la question ou même vous répondre. Merci beaucoup.